Alors. J'ai notre port pour imprimer. Re Kikos, merci pour le host. Je vais tester les alertes avant de lancer le stream. Maintenant elle s'affiche. L'autorité n'est pas aussi difficile à encaisser pour le traiteur du journaliste. Donc hier je me suis arrêté, j'avais construit le théâtre. Construit un petit théâtre de variété. Et après, prochaine étape, c'est construire un zoo. Alors un zoo, on peut construire plusieurs emplacements. Alors je sais pas jusqu'où ça peut aller le zoo, mais si on peut en construire 100, on peut aller vraiment très très loin. Je me suis arrêté, j'ai fait quoi hier? J'avais aussi fait évoluer mon entrepôt. Et... Ah oui, j'étais en train de construire des routes pavées pour ma ville. Là, j'ai les anciennes routes, les routes de paysans. Et là, j'ai commencé à mettre des routes pavées. Là, il en manque. On peut mettre scène dans ton zoo. Pourquoi? Ah! Bah écoute, pourquoi pas. Il me coûte combien le zoo à construire? Ah, c'est pas très cher à construire le zoo. C'est vraiment pas cher. Par contre, le zoo, il m'en demande pas. Il me demande pas ce peuple de créer un zoo, donc je sais pas pourquoi je peux le faire tout de suite. Peut-être pour plus tard. Il y avait une parodie comme ça dans les Simpsons, dans un Simpson Horror Show ou je sais pas quoi. Et je crois que c'était Homer la bestiole. Truc de cirque comme ça où t'avais une espèce de monstre. C'est une offre unique. Pacte de non-agression. Allez, on va lui faire plaisir. Une partie de croquet. Ah bah il m'offre un cadeau lui en attendant. Bah c'est gentil. Ça avait été moi, ça aurait donné autre chose. Vu que j'ai beaucoup de matières premières, je vais essayer d'en vendre. Je vais vendre un peu de pain. Alors non, je vais pas acheter, je vais vendre. Histoire qu'il m'en reste 200 en stock. Bon, 189, c'est pas mal. C'est dommage qu'on puisse pas... on puisse pas écrire le nombre nous-mêmes. Enfin bref. Ah oui, c'est avec Bigfoot, ouais. Un pacte, mais tu peux faire comme Hitler avec le reste. Ça, le fait de vendre des produits qui explosent les stocks, ça me fait un peu d'argent. Voilà. Je vais peut-être potentiellement des matières premières aussi à vendre. J'avais demandé à acheter des canons pour pouvoir fabriquer des bateaux de défense contre les pirates. Et je vais vendre de la laine aussi parce que j'ai plein de laine. La patate aussi, je vais en vendre. Plein. Voilà.
sauvegarder. Hop. Donc là c'est bon, ça part en vente. Et ça, je veux que ça parte en vente aussi. Donc là, je devrais augmenter mon argent assez facilement en vendant des choses. Ah c'est bon, j'ai assez de canons pour fabriquer un bateau de défense contre les pirates. Donc, je vais lancer la production. J'ai pas assez de main d'œuvre, c'est pas très grave, mais ça va juste ralentir la production. Et comment vont les gens sur cette île là? Ils sont contents, il y a pas de révolte aujourd'hui, c'est cool. Ah, j'ai débloqué ça tout à l'heure. Avec le compte Ubisoft, j'ai pris ça. J'ai pris une petite fontaine. Je mets ça à l'entrée de la ville, ça fait sympathique. Faut combien d'éléphants pour construire un bateau de défense? Hein, bonne question. Entièrement en défense d'éléphants, ça doit coûter très cher. Bon, il arrive mon bateau là? Ah, le lieu en bronze, je peux pas le construire. Ah, on voit pas l'interface Uplay quand je suis dedans. Ah, voilà. Alors, il est où mon bâtiment? Je l'ai pas vu. Il est là. Lui peut faire la guerre. D'ailleurs, je vais peut-être envoyer lui comme bateau en expédition. Est-ce que je la fais maintenant l'expédition ou pas? Avec plaisir. Ça me fait que j'augmente ma population pour aller faire évoluer plus tard. Des concurrents sont désormais en guerre. Le cessez-le-feu a expiré. Tous à vos postes. Mais quoi, je vais l'envoyer en... en expédition. Alors c'est Guenièvre, il faut que j'envoie Guenièvre en expédition. Je serai votre capitaine, qu'il pleuve, qu'il neige. Armure fait état de contrées inexplorées. Il ferait bien de devancer vos rivaux. Que j'embarque un peu de nourriture, je pense, sur mon bateau. Ah. On peut juste prendre ça alors. Où sont mes cartes? Pas d'orage à l'horizon. Bon bah je vais mettre du bois parce qu'a priori ouais. J'ai fait une croix. Je l'envoie, on verra si je perds mon bateau ou pas. J'essaie de trouver un nouveau monde. Par contre il trace hein.
Bon là je suis en vitesse accélérée mais... Sauvegarder. Je suis en vitesse normale mais c'est vrai qu'il y a quand même assez vite je trouve. Donc là, il va falloir que je fasse évoluer ma population parce que je suis bloqué, sinon je peux rien construire. Alors, il va falloir que je stabilise quand même les ressources parce que je fais évoluer tout mon peuple. Je vais arrêter les ventes parce que sinon ça va me perturber dans les pour la suite. Construire un autre bateau parce que je vais en avoir besoin. Mais non. C'est prêt à partir sous presse. Au bureau, on vous surnomme excellent. Pas de nom d'incrétion. Pénurie d'ouvriers qualifiés. Ouais. C'est essentiel. Il m'en faut 900 quand même des artisans pour le prochain stade d'évolution. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, je vais quand même le faire. Je sais, le luxe est... Alors. Faire la petite quête en attendant à côté. C'est pas ce qu'ils vont me proposer. Ça fait des semaines que je me suis plaint de rien. Ça fait bizarre. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire un cadeau. Vous faire un cadeau? Ah bah il est gentil. Bah je l'accepte. Bah oui. Mais c'est quoi le cadeau? Il est où le cadeau? Pénurie de main d'œuvre. Rokikos. Je n'ai jamais peur de... Ah c'est bon, faut que je récupère mon cadeau. Bon, je l'ai récupéré. Vous avez vos intérêts à cœur. Ah ok, cool. Alors. Autoréparation plus 800%, guérison active. Ah intéressant. Navire construit. Ah, voilà mon deuxième navire. De nouveaux ordres. Moi, je vais le laisser ici, comme ça il va défendre ma vie. Ça alors, ils sont drôlement gros ceux-là. Même moi, je suis pas tombé aussi bas. Qu'est-ce qu'il raconte? Que je réorganise ma ville hein, parce que là c'est pas top. Baigné par le clair de lune, j'aspire pourtant à la clarté des étoiles. Autant rester dans le...
Ouais, après plus tard celle-là. Une maigre tentative. C'est toujours mieux que rien. Du coup, au niveau des mersoirs, je suis à combien? Parti, sauvegardé. J'ai l'air d'être plutôt stable, je vais attendre que ça change un peu pour voir si... là le savon apparemment il est en baisse, alors je sais pas si c'est en baisse parce que j'ai fait des ventes. Là je suis à 211 tonnes en stockage. Non, j'ai une production qui est par là. Je crois que c'est là la production. Contraire, ça augmente. Bah du coup, je vais faire évoluer un peu ma population. Ah, par contre, j'ai besoin d'ouvriers, donc faut que je passe des paysans en ouvriers. Peut-être construire quelques maisons ici parce que j'ai de la place. C'est d'agrandir un peu ma ville. Ah, je peux encore les faire évoluer ceux-là. Je tourne un petit peu. Parce que je viens de construire les bâtiments récemment, donc on va attendre. Espérer des vents favorables. Rien d'autre. Mais je l'ai lancé l'expédition tout à l'heure, non? Je me suis planté. Bon, il va sortir de la map le bateau pour partir en expédition. On le voit encore. Il était temps qu'on reprenne le large. Donc là, il va essayer de trouver de nouvelles terres ailleurs. Vous étonnez pas si le vieux Weebly en est capable aussi. Voilà. De joyeuses mélopées, j'aime. Ah, je suis à 780 artisans. Il me manque plus que 120, donc ça doit faire 2-3 maisons. Peut-être 4. Un incendie s'est déclaré. Il y a eu une explosion dans une de vos usines. Usine qui a explosé. L'incendie a été maîtrisé. À reconstruire. On peut plus rien stocker. Quand est-ce qu'on s'y remet? Ah, j'ai plus de bois, faut que j'en reproduise. D'accord. Bon, j'ai. Hop. Là, je vais faire évoluer cela. Quand ça n'ira plus. Et normalement, je vais passer à. Je sais pas combien d'habitants.
Ah, ça va pas être suffisant pour atteindre les 900. Partie sauvegardée. Ah, je vais devoir en faire évoluer plus que ça de population. Ce qui veut dire que j'ai besoin de construire des maisons. Rendrez-vous l'ordre au cosmos. Une quête de livraison, je veux bien la faire. Oui, je vais faire une quête de livraison. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Votre conduite est exemplaire. Ah oui, je veux récupérer la cargaison. Elle est où la cargaison ? Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Le cap est tracé. Est-ce malvenu de demander où vous en êtes ? Bah j'arrive là, le bateau est en route. Il devrait arriver dans quelques jours. Vous cherchez quelque chose et je peux vous aider à le... Donc là j'amène mon bateau pour faire la quête, donc là faut que je récupère une cargaison. Ramener la joie. Un esprit aussi pur que le jade. C'est tout, fallait faire que ça. De nouveaux ordres. On s'aventure dans l'inconnu. Bon bah je finis la quête. C'est pas avoir une quête aussi rapide. Ah, j'ai un événement là sur le bateau que j'ai envoyé en expédition. Là, tu vas rencontrer soit des problèmes. La terre qui tremble, une pluie de cendres. La nuit aussi claire que le jour. C'est une éruption. L'île était beaucoup trop prodigue et luxuriante pour être hospitalière. La lave qui donnait au sol sa fertilité dégorge par la gueule ouverte du volcan en éruption et déferle sur la jungle où un groupe de vos hommes avait dressé le camp pour la nuit. De prendre soin de vous. On va chercher un abri, c'est sympa. Chercher un abri contre la lave. J'ai votre accord pour imprimer. Attends, je suis en train de lire ça. Sinon, c'est où la guerre? Ah non, il n'y a pas beaucoup de guerre ici. Là, c'est quasiment que de la gestion. Moi, si je peux éviter la guerre, je la fais pas. Mais il n'y a pas trop de stratégie. Il y en a un petit pourcentage, mais c'est très faible. Vos hommes sont aussi perdus que perplexes. Vos explorateurs déterminés n'arrivent pas à se retrouver dans les méandres de la jungle qui changent de visage à chaque nouvel arbre dévoré par la lave. Le moindre sentier où ils s'engouffrent menace de déboucher sur une impasse submergée de boue incandescente. Ouais, je vais suivre un animal parce que les animaux, généralement, ils connaissent bien, ils essaient de fuir le danger, donc je vais suivre l'animal. Tous les animaux courent vers la plage et votre équipe leur emboîte le pas ou la patte. Vos hommes pourraient suivre la meute de bêtes gémissantes et piaillantes les yeux fermés. Dans leur foulée, ils rejoignent la plage où ils ont laissé leur chaloupe. Le navire prend le large en toute hâte. Quant aux animaux, ils meurent tous dans les flammes du volcan. Waouh, quelle belle fin. Comment bien terminer l'histoire ? Le capitaine attend vos ordres. Est-ce que je veux rentrer? Bah non, moi je veux pas rentrer, je veux continuer. J'ai ma barre de vie sur mon navire, elle est à 87%. Si je continue l'expédition, bah je consomme 10%. Sachant que sur la bêta ouverte, je crois que j'ai dépensé 50 ou 60 coeurs pour découvrir de nouvelles terres. Je ne voudrais surtout pas vous embarrasser. Ah bah c'est gentil, elle m'offre de l'argent. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Oh, festival des arts.
festival des arts, à mon avis. Du coup, j'en étais à combien, moi, d'artisans? Quel plaisir de vous voir. Vous avez nos intérêts à cœur. Quand je passe aux artisans, quand je fais évoluer des ouvriers en artisans, je gagne 26 artisans. Ce qui veut dire que là, si je fais encore évoluer un artisan, j'ai mes 900. Mais il faudrait que je construise plus de maisons. Ils évoluent à quel niveau, c'est-à-dire? Alors au début, t'as des quand tu fabriques des maisons, c'est des fermiers. Ensuite, si jamais tu veux les faire évoluer, mais ils vont te demander plus de besoins, etc. Ça devient des ouvriers. Et après, c'est des artisans. Et après, on verra. J'ai pas encore atteint ce stade-là. Continuez comme ça, je vous le dis. Ben d'accord, je vais continuer comme ça. Allez, je vais faire évoluer encore une maison. Et voilà, comme ça je débloque des nouveaux bâtiments. Alors maintenant, faut que je peux construire des hôpitaux. C'est toujours dur de reprendre le travail où on l'a laissé. Je peux construire des manteaux de fourrure. Ah mince. Il me faut une plantation de coton. Donc là j'ai besoin d'aller sur les nouvelles terres. Et mon bateau, c'est ce qu'il est parti faire. J'ai envoyé en expédition justement pour aller chercher de nouvelles terres. Et il n'y a que sur ces nouvelles terres que je pourrais récolter du coton. Là, toutes les îles sur la map, je ne peux pas récolter de coton. Et après, il me faut des fourrures. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le champ de mine. Des mines, s'écrie la vigie. Aussitôt, tout l'équipage a couru à la proue. En effet, de sinistres explosifs flottent paresseusement à la surface. Qui sait combien de ces machins infernales nous ont passé? Nous avons passé. Et combien nous guettent encore? Au moindre faux mouvement, c'est tout l'océan qui s'embrasera. Qu'allons-nous faire? Alors lui, il va arrêter de m'embêter pour l'instant. Pour récolter le coton. Je sais pas si c'est le même peuple, parce que dans les anciens, dans les anneaux, par exemple, anneau 1404, c'était pas tout à fait le même peuple. Pour quand t'avais des îles au sud. Moi je vais être prudent. Et je vais essayer de chercher dans les documents, voir si je peux trouver des choses. les documents des archives paraissent d'abord dignes de foi, notamment une carte qui renseigne la position des champs de mines. Alors c'est intéressant parce que en mer, les champs de mines qui restent statiques, qui bougent jamais, c'est... je sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais ils arrivent à le faire. Les mines ne bougent pas avec le courant, donc... Ce n'est qu'une fois un cap... Ce n'est qu'une fois un cap tracé et réputé sans danger que le navire lancé à pleine allure est secoué par une explosion. La vitesse semble avoir amorcé les dégâts, mais une large brèche a été percée dans la coque. Et regardez de plus près, la carte est plutôt obsolète.
Cette bévue n'a coûté aucune vie, mais les travaux de réparation épuisent l'équipage. Et bah, je vais continuer l'exploration, enfin l'expédition. Donc là, je peux construire que. Bah, il n'y a pas de truc intéressant vraiment que je peux construire, à part continuer à développer ma ville. L'hôpital, je peux le construire, mais je vais attendre d'avoir des malades dans ma ville pour savoir comment je place mon hôpital. Un truc qui aurait été intéressant serait que je le mette en plein milieu pour qu'il ait un bon champ d'action l'hôpital. Par exemple ici, au centre-ville. Poste de police. Baron Skycura dans la ville pour déclencher de quelques maladies. Bah peut-être qu'il y en aura, hein. Dans les anciens anneaux tu pouvais avoir la peste. Donc pourquoi pas. Par contre j'ai un trou là, je pense qu'il faut que je construise d'autres bâtiments mais je vois pas lesquels. Peut-être des pubs. Je vais mettre un pub là-haut. Amiral. 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 Alors attends, je construis quelques bâtiments et après je m'occupe de ma petite expédition. Alors, expédition, qu'est-ce qu'il me dit ? L'inspecteur, j'espère que vous n'avez rien à vous reprocher, s'amuse l'inspecteur royal, tandis que ses soldats l'aident à se hisser à votre bord. Vos matelots sourcillent. Votre navire a forcément contrevu à la loi du roi, puisqu'il s'est aventuré dans des eaux démilitarisées, et non pas déminéralisées, comme j'ai failli le dire il y a 2 secondes. Et j'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce truc, c'est pas possible. Ouais, je vais l'autoriser à inspecter le navire, parce que de toute façon j'ai pas grand chose à me reprocher, j'ai que des planches de bois. En espérant que c'est pas un piège. Attends, faut que je lui offre des trucs. Il a un petit air de Coluche, je trouve, l'inspecteur. Bah du coup bah, je vais rien lui donner. Ah ouais bah tu m'as dit la même chose ouais. J'avais pas encore lu ton message mais j'ai pensé pareil. Du coup j'ai fait annuler donc je sais pas ce qui s'est passé. Je me demande ce qui vous a pris de faire voguer votre vaisseau armé dans les eaux pacifiques. Mais c'est pour mon grand plaisir, vous imposez le trajet plus long. Le festival est terminé. À plouche.
Inspecteur, quittez le bord, vos hommes regardent les uns les autres concernés. Capitaine, attends. Bah, moi je veux continuer. Ah, il s'est passé quoi sur mon île? L'incendie fait rage dans l'une de vos usines. Ah, mais j'ai. J'ai lui normalement, il devrait arriver. C'est prêt à partir sous presse. Rayonnez comme d'habitude. Du journalisme sans compromis. Alors, là, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, je sais pas si j'ai un bon équilibre dans mes ressources. A priori, oui. J'ai l'air d'avoir un bon équilibre. L'incendie a été maîtrisé. Mais bon, on va voir. On va continuer à faire évoluer mon peuple. Hein. Pas le choix. Ça veut dire beaucoup pour nous. Ah bah j'ai même pas vu que ça je pouvais pas en construire non plus des canne à sucre. Là je vais avoir besoin de pas mal de bateaux en plus hein, une fois que j'aurai découvert l'autre île. On s'aventure dans l'inconnu. Par contre ça aurait été intéressant dans l'expédition, je sais pas si on peut mais affecter plusieurs bateaux à l'expédition. J'espère que vous avez le coup de main. Profondeurs englouties. Des débris inhabituels sont bousculés par les vagues. Des planches rongées de mousse, des lambeaux d'étoffe, des éclats de plâtre. Tous passablement érodés par le temps. Animés d'un enthousiasme presque puéril, vos hommes envisagent de plonger pour découvrir l'origine de ces débris. Allez, fabriquer une cloche, j'ai du bois. Les cloches de plongée. La cloche de plongée a l'air de fonctionner. Ah, GG qui cause level 30. Deux hommes grimpent un bord et s'engouffrent dans les profondeurs tandis que des matelots pompent de l'air dans le tube du ventilateur. De ventilation. La cloche descend jusqu'à percuter un banc de corail. Sur leur gauche, vos hommes aperçoivent une pièce d'argent enfouie parmi les silhouettes chamardées. Sur la droite, un trou béant parfaitement circulaire. Ah mince, la cloche ne résiste pas à la descente. Au lieu de glisser le long des parois de la cavité, elle s'incline et l'eau s'infiltre. Les plongeurs appellent au secours et votre équipage tente aussitôt de les remonter. Malgré les rochers qui retiennent la cloche prisonnière. Ils luttent pour sauver la vie de leurs camarades mais restent impuissants quand la corde leur claque entre les mains. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer de la mort de leurs compagnons. Pas de chance. Une épée suspendue au-dessus. Il me reste pas beaucoup de vie sur mes bateaux. Attends, ça va être pas embêtant ça. C'est difficile de se procurer des navires. On a de la chance d'avoir des amis pour nous aider. Ah, je vais rester un peu sur mes ressources histoire de voir si ça c'est. Des cartes prometteuses. J'arrive à maintenir mes productions. Donc, au stade où j'en suis, je pourrais même les faire évoluer d'un coup. Hein. Allez. Ah, j'ai pas d'acier, je peux pas les faire évoluer. Stoppé.
reprend le travail, c'est ça? Bah ouais. Bah oui, on reprend le travail quoi. Session débloquée. Ah bah voilà. Ah, j'ai débloqué ces îles. Elle est petite, mais elle cogne. Oula, c'est bizarre. Je suis vraiment. Ça se porte en toute saison. Ah, un joli petit pont ici. Oh, oh c'est joli ça. Parcourir un petit peu la map histoire de voir s'il n'y a pas des îles dans le coin. Partie sauvegardée. Ce serait pas mon île porte-bonheur des fois. C'est grâce à moi que vous existez, je vous rappelle. J'attends un défi à relever. Allez, j'ai confiance en vous. Ah bah elle m'a offert un bateau, c'est sympa ça. Si, cette ère de légende existe vraiment. Elle est petite, mais elle cogne. On sera sur place, on n'a rien de temps. Ah, elle a pas l'air terrible cette île-là. Bateau pirate, ça. Nous sommes parés. Déferlez. Ça pas ça. Le cessez-le-feu a expiré. Un navire peut flotter sur l'eau. Ah, du coup, elle m'aide à. Vu qu'on a mis, elle m'aide à explorer la carte, c'est cool ça. Je pense que je vais coloniser cette île-là. Il pleut là. Le cap est tracé. Allez, on y va. Sur place, on n'a rien de temps. Avant que vous recommenciez à vous étaler, rappelez-vous ce qu'on a dit. D'accord ? Prête et fin prête. Mieux vaut ne pas garder tous ses œufs dans le même panier. Ah ouais, j'ai des nouveaux bâtiments.
cool ça. Elle est petite, mais elle cogne. Partie sauvegardée. J'ai votre accord pour imprimer. Voilà l'imbécile de service. Sous les tropiques. Pardon, je croyais que c'était le photographe. Des colonisent une première île dans le nouveau monde. Nuages financiers en perspective. Mais l'horizon devrait s'éclaircir ensuite. L'île, encore inhabitée, fera office de siège ultramarin. Ok. C'est essentiel. Vous avez vraiment sorti d'un mauvais pas. Bon, je vais laisser cette table celui-là et je vais commencer à créer les habitants pour cette île-là. Alors, je sais pas trop comment je vais ordonner mes fermes parce que ça a l'air un peu compliqué. Vous avez franchi une nouvelle étape. Voilà. Mon harmonica n'a jamais été aussi enjoué. Ah, ils ont besoin de rhum direct. Et je peux construire des chapelles comme dans Anneau. C'est cool ça. Donc, c'était pas vous tout en blanc hier à minuit. Hier ? Peut-être. J'ai du pain sur la planche. Expédition, amiral. Et le poisson. Et plantation de bananes. Ouais, bah là, je produis des bananes et de l'huile de poisson et je vais pouvoir fabriquer des bananes plantain.
sauvegardée. J'aurais confié ce travail à un de mes gamins, mais puisque t'es là... Ouais, je vais bien faire la quête de livraison, j'ai pas de bateau sous la main. Ouais, je ferai plus tard. Un travail à moitié fait, c'est un travail... Ah, comme ça, je débloque de nouveaux bâtiments. Donc là, je vais pouvoir commencer à produire du rhum et en distribuer sur Monotril. Ah, sauf que là, j'ai pas la fertilité, malheureusement. Enfin, je colonise une autre île. Ah, ça, c'est embêtant. Celle-là a l'air plutôt rassurante. Je peux ? Quand je veux une île, j'attends pas la permission du comité. Ah, j'aurais dû mettre non. Ouais. Alors, faut que je cherche une île. Qui me permet, alors cette île là par exemple, elle me permet d'avoir des plantations de sucre de canne. Alors laquelle serait plus intéressante? Celle-là a l'air pas mal. On va prendre celle-là. On va prendre cette île là. Le cap est tracé. Faire ça et puis après je vais arrêter.
partie sauvegardée. Pas tard d'arriver mon bateau. Vous validez? J'espère que le moment est propice et que vous êtes de bonne humeur. Waouh. Bon allez, je publie quand même. Vous assumez l'échec dans vos propres journaux. J'admire. Voilà. J'ai mon autre île. Le petit poisson est prudent quand il nage au milieu des gros. On se pose là. Où est-ce que vous l'avez eu cette île? Moi aussi, j'ai construit un empire à partir de rien, trésor. Conquérant. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Voilà qui est prometteur. Cette île appartient-elle à votre reine? Sinon, puis-je... Vous me déconcertez. Elle n'avait pas assez de bois, c'est génial. Le cessez-le-feu a expiré. On me donne de nouveaux horizons. Faudrait que je récupère du bois de l'autre île. On est à court de matières premières. Je tiens mes marchandises. Je crois que j'envoie mon bateau en expédition aussi.
Je sais pas où il est passé mon autre bateau. Il est un peu loin à passer les... Ah, peut-être que je peux voir sur la carte du monde. Ok, il est là. Ah, c'est quoi ça? D'accord, c'est des expéditions. Donc il devrait apparaître bientôt mon bateau. Votre navire est revenu de son voyage. Ah, il arrive tout en bas de la map. J'attends un défi à relever. Ah, je viens ici juste pour récupérer du bois, après je repars dans l'autre monde. Ah, par contre je suis en train de perdre en saucisse. Il va peut-être falloir que j'améliore ma production. Bon, je verrai ça demain. Sur l'autre monde et ça devrait être assez rapide je pense à rejoindre l'autre monde. À quoi bon cette vie? Bientôt apparaître le bateau pour partir. Nouvelle commande? Ah, c'est bon, il est là, le bateau. Des concurrents sont désormais en guerre. Le cessez-le-feu a expiré.
partie sauvegardée. Il part pas le bateau. C'est prêt à partir sous presse. Rayonnez comme d'habitude. Expansionnisme, assimile un nouveau territoire. Oublié ça. Voilà, il va bientôt atteindre le... atteindre l'autre monde. Par contre, ça va être super long hein, quand je vais... quand je vais envoyer des marchandises d'un monde à un, d'un monde à un autre. Ça va être vraiment très très long. Il va falloir que j'utilise des astuces pour améliorer tout ça. Il revendiquait cette île, c'est immoral. Le pacte de non-agression a expiré. C'est embêtant. Votre navire est revenu de son voyage. Donne de nouveaux horizons. Mais... on n'a pas trop passé. Voilà. J'attends un défi à relever. Faire ça et puis je vais m'arrêter là. Ah mais pourquoi je suis en mode architecte ? Nous aimons garder un esprit indépendant. Vous êtes mon meilleur élève. Une seule aussi. Ah mince, ça tourne pas à 100%. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas beaucoup d'habitants, ça va suffire. Partie sauvegardée.
Alors, si je regarde sur cette île-là, de quoi j'ai besoin en plus? L'entrepôt est blindé, chef. Ah mince. Ah, c'est visiblement les bananes que je produis en quantité, en grande quantité. Bon, sur ce, moi je vais m'arrêter ici. Qui vit par l'épée mourra par l'épée. Ouais, je vais quand même payer parce que j'ai beaucoup d'argent et j'ai pas envie de faire la guerre. Là, je peux pas avoir de la diplomatie avec lui pour éviter la guerre. Parti, sauvegardé. Parti, sauvegardé. Bon. Du coup, je m'arrête là. Et je reprendrai peut-être demain.